je rentre chez moi, le premier truc que je fais, bah, je me dessape, je me mets en condition de sport. Vous allez voir, je vais faire mon workout. Je me lave les mains, l'hygiène avant tout, t'as vu. Donc là, ça squat, ça abs, ça chauffe les bibis. J'ai extrêmement transpiré, bien sûr. Là, je me la pète un peu en vous montrant mes abdos. Et puis après, je pars pour une séance de yoga, étirement. En fait, je me mets vraiment en condition pour dormir parce que vu que j'ai pas mal bougé juste avant, là, il faut un truc pour me reposer, me détendre. Après tout ça, je file à la douche. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, puisque je me fais des petits rituels soins, pas beauté, mais soins. Donc je mets de l'huile sur mon visage et après je me fais un massage avec le gua sha. Ici c'est une pierre de jade, mais vous pouvez prendre n'importe quelle pierre que vous voulez. Il y a plein de gua sha avec toutes les pierres différentes. Et parce que je pourrais poncer les murs avec mes jambes, je mets un petit peu d'huile. Là, je mets un petit peu d'huile essentielle de lavande sur les poignets. Et après, je vais venir masser le cou et la nuque. Ensuite, je vais prendre un livre et puis je me mets au lit. Comme d'habitude, ça pique hein, tous les matins, que ce soit 7h ou 10h. Je me lève et je m'habille direct. C'est pas les vêtements que je vais garder toute la journée, mais je me changerai juste avant de partir pour aller au taf. Le petit pipi, les petits câlins, et on y va. Là, je voulais méditer dehors, mais vous allez vite comprendre que c'était un petit peu perturbé, dirons-nous. Je commence toujours mon rituel beauté par le brossage à sec. Ça sert à faire circuler la lymphe et tout. Donc ça, je fais vraiment sur tout le corps. Il faut ramener au ganglion lymphatique pour que la lymphe soit traitée et nettoyée. Et ça fait trop du bien. En vrai, tous les jours, je me maquille absolument pas, je me maquille pas du tout. Je pense direct au démaquillage et j'ai trop la flemme. Mais, puisqu'aujourd'hui est un jour spécial, je vais me faire fraîche. Je commence par cette palette, c'est une palette couleur caramel. Et je prends la couleur là. Et je fais ça au pinceau et tout, alors que d'habitude, tout au doigt. C'est vraiment pour vous. On enlève les caca d'œil. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. C'est moche. Je vais mettre du orange. On dégrade. Ça, c'est vraiment un highlighter. Il est trop beau. Oui. Là, je vais pas être contente. J'avais pris du mascara, mais non. Du gel sur les sourcils. Qui dit sourcils? Oh, ma grand-mère, elle dit sourcils. Je vais le prendre pour une folle, mais j'aimerais trop avoir un mono-sourcil. Du coup, j'arrête d'épiler ici. D'ailleurs, ce gel-là, incroyable. Et voilà. Est-ce que je suis censée faire des trucs, genre... Je suis chère en retard, par contre. Oh là là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Là, j'ai fait ma full face pour vous parce que d'habitude, je pars comme ça. Je me coiffe pas du tout, je me maquille pas du tout. Là, c'est vraiment le max du coiffage que je peux faire. Bon, allez, je me casse pour de vrai parce que là, bientôt le chômage. Hein.